Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bonnes habitudes. Alors on change un petit peu, encore une petite session de nuit pour vous parler aujourd'hui d'une habitude que très très peu de personnes font, c'est étudier son propre marketing. Alors c'est plus dans le milieu professionnel. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire étudier son marketing au quotidien? Donc marquer toutes les actions que vous faites. Et ensuite, une fois que, alors déjà passer à l'action, ça c'est très important, et ensuite essayer d'analyser ces actions pour ensuite voir ce que vous pouvez modifier pour après donc refaire cette action en vous, bien sûr, en vous aidant à améliorer en fait, hein, voilà. Donc ça c'est très 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 important à faire. Alors par exemple, je prends le cas du marketing relationnel. Si vous allez parler à des prospects, vous en faites pardon une cinquantaine et puis vous voyez que personne a rejoint votre équipe, votre réseau. Donc essayez de voir ce que vous avez fait, étudiez, et essayez de voir comment vous pouvez améliorer votre façon d'aller vers les autres, d'aller vers les gens. Et donc ensuite, une fois que vous avez bien étudié la situation et analysé ce que vous pouvez améliorer, reproduisez l'action, faites 50 nouveaux contacts, etc., etc. Toujours dans le but de vous améliorer. Également, vous pouvez vous servir de votre lignée ou de vos filleuls également pour demander leur avis, pour savoir un petit peu ce que vous pouvez améliorer dans votre façon de soit vous exprimer, soit dans votre façon d'écouter aussi, c'est important, et de travailler d'une manière générale. Moi, je vous conseille de faire ce petit travail donc au quotidien, c'est une bonne habitude, et de le faire à peu près 15 à 20 minutes par jour, c'est déjà un bon début. Et si vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez faire sur 30 minutes ou 45 minutes. Donc c'est vraiment très très intéressant à faire. Lisez également des ouvrages de formation, ça va vous permettre également de vous améliorer dans un domaine bien précis. Et sachez que de toute façon, tous les leaders, les grands leaders qui réussissent, qui atteignent leur objectif professionnel, font ça, étudient leur marketing. Et c'est pour ça que je dis que très peu de personnes le font, parce que même dans les affaires traditionnelles, vous avez beaucoup de personnes qui peuvent manager et qui finalement se remettent très peu en question. C'est toujours un petit peu la faute d'autrui et jamais de la leur. Et donc ça peut être assez contraignant de supporter ça au quotidien, notamment si vous êtes salarié. Et donc c'est vraiment important de se remettre en question et d'essayer de vraiment de vous améliorer à chaque fois. Pour aujourd'hui, c'est tout. Et je vous retrouve cette fois-ci 2 jours, dès demain pour une autre bonne habitude à adopter. Bye!